Nous allons commencer cette bénédiction, alors d'abord de la statue de Saint-Joseph, puisque le clocher pédagogique va être consacré en l'honneur de Saint-Joseph, puis la bénédiction du clocher. Ça va être une petite cérémonie très rapide, un bref petit mot pour vous expliquer un peu la signification de cette cérémonie. Je pense que vous l'avez compris ou que vous le savez, dans la famille Paccard, je pense qu'on peut dire qu'on ne fait pas les choses à moitié, on aime bien faire les choses à fond. Et un autre point, je pense que c'est caractéristique de la famille Paccard, c'est qu'ils attachent beaucoup d'importance également à la foi catholique, qui leur procure beaucoup de soutien, même dans leur métier. Et c'est pour cela qu'ils ont à cœur de consacrer toutes leurs entreprises. Ça a été le cas du musée, ça a été le cas de la fonderie qui ont été consacré à la Très Sainte Vierge, je ne saurais pas dire les dates. 2004 pour le musée. 2004 pour le musée et 2007 pour la fonderie. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est l'époux de la Très Sainte Vierge Marie, le Père protecteur, le Père nourricier qui a tenu la place sur terre de Dieu le Père, donc le protecteur de l'enfant Jésus qui est à l'honneur aujourd'hui. Donc voilà pour un petit peu la signification de cette cérémonie. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Dominus vobiscum. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, cui sanctorum tuorum, imagines sculpti hoc inginante proba sub quotiesidas oculis corporis intuemo, usi esse urum actus et sanctitate ad inventandum memoria oculis inditemo, un cosmus imaginem, et si Joseph benedictam, adusum nostri benedice le dignitur, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Le début de la prière. Dieu éternel et tout-puissant, vous n'avez pas interdit de sculpter ou de peindre l'image de vos saints pour qu'en les regardant avec les yeux de notre corps, nous puissions chaque fois nous rappeler de méditer leur vie et leur sainteté afin de les imiter, de les bénir et rendre sainte cette image dessinée à l'évêque Saint-Joseph sur cette œuvre. Nous allons maintenant bénir le clocher. Et puis ensuite la famille Paccard mettra la statue dans le clocher. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Dominus vobiscum. Oremus, Deus cuius verbo sanctificantur omnia, benedictionem tuam et fundi super creatura vista, et presta ut quis quis ia secundum legem et voluntatem tuam, cum gratiarum actione usus fuerit, per invocationem sanctissimi nominis tui, corporis sanitatem et adem et tutelam, et auctetave percipiat per Christum Dominum nostrum. Dieu qui sanctifiez tout par votre parole, répandez votre bénédiction sur cette créature et faites que tous ceux qui en useront avec action de grâce, selon votre loi et votre volonté, reçoivent de vous par l'invocation de votre Saint-Nom la santé du corps et la sécurité de l'âme par le Christ, notre Seigneur.
Sainte Divina, Mater Misericordiae, vita dulce, et spes nostra salvi, a te clamamus, exules ineve, a te suscibamus, gementes et flentes, in ag lacrima umbrae. Ea ergo, advocat a nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesum, benedictum fortum natis sui, nobis post hoc exilium, ostende. Il doit y avoir un bouquet de fleurs quelque part, ici. Je ne sais pas où il a été posé. Il faudrait le mettre sur la statue. On vous remercie d'être venus nombreux à cet événement qui nous réjouit le cœur. Merci, monsieur l'abbé Pacquart. C'est pratique, chez nous, on est tous sous la main. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, Antoine est notre fils aîné. Et il porte un très joli prénom qui lui a été remis à sa naissance en mémoire, en honneur à. Antoine Pacquart qui a fondé l'entreprise en 1796 et Antoine est né en 1996, donc c'est un beau cadeau pour le bicentenaire de l'entreprise. Merci beaucoup à Pierre, mon beau-père, pour sa présence, pour sa présence réconfortante, toujours inspirante. Il est toujours là pour nous aider, pour nous encourager. Et je suis sûre qu'on a tous une pensée pour ma belle-mère Françoise, qui a créé le musée en 1984. Vous avez peut-être remarqué que la salle dans laquelle vous vous trouviez a été nommée à sa mémoire. Françoise nous a quittés il y a 5 ans, mais elle est toujours là. Je suis sûre qu'elle se réjouit là-haut de nous voir rassemblés pour ce bel événement. Merci Cyril, merci Sophie. Je remercie. Alors j'ai un petit merci particulier, ils sauront pourquoi. Je remercie Michael de l'entreprise Terra, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous ayons donc deux vitraux, enfin un vitrail. Peut-être étiez-vous là lors de l'inauguration du premier vitrail du musée, qui a été inauguré en 2014, c'était pour les 30 ans du musée. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on attendait le deuxième vitrail, il est encore là. Et je vous invite vraiment à aller l'admirer. Je ne sais pas où se trouve Frédéric, qui ne doit pas être très loin. Voilà, si vous avez des questions, et puis Frédéric vous fera des démonstrations, il est là aussi pour vous parler de son métier. L'instant qui sont juste derrière. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller à sa rencontre. Il est accompagné de sa charmante épouse qui vient juste de rentrer, d'Amérique latine. Et on les remercie aussi tous les deux d'être présents. Donc le deuxième vitrail est dédié à la Vierge Marie. Je pense qu'en plus, c'est bien parce que Saint-Joseph et la Sainte Vierge se voient, sont à la même hauteur. Et pour la petite histoire, ce vitrail, donc pour thème la Sainte Vierge, et il représente trois dessins réalisés, enfin, trois peintures que le grand peintre André Brasillier, c'est un peintre mondialement connu, mais à l'instar peut-être de la Corée de la Paix, quand on lit l'une des prophètes en son pays, il est plus connu à l'étranger qu'en France. C'est un peintre remarquable. Il faut savoir que c'est le seul peintre qui a été exposé à l'Ermitage de son vivant. Il a une exposition permanente à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Le seul autre peintre, enfin, vous savez ce que c'est pas vrai, c'est Pablo Picasso. Moi, je préfère André Brasillier personnellement, mais enfin, ça, c'est question, ça ne dissipe pas les goûts et les couleurs. Et toujours est-il que vous verrez donc trois cloches qui chacune représente la Sainte Vierge. Vous avez l'Annonciation, la Nativité et celle que André Brasillier a nommée Stella Matutina, étoile du matin, c'est une des dénominations de la Sainte Vierge dans les litanies de la Sainte Vierge. Je vous invite vraiment à aller admirer ce vitrail et surtout,
arrosé de questions Frédéric Chanvel, qui est un ami de très longue date, puisque nous vivons ensemble quand nous avons 6 ou 7 ans au Playmobil. Voilà, merci à vous. Denis Villard, qui peut nous rejoindre, je pense qu'il est parti à moi. Alors, Denis Villard, il ne faut pas le cacher, Denis, je sais qu'il n'aime pas trop qu'on le mette en avant, mais moi je le mettre en avant. Venez à côté de moi. Denis Villard est notre architecte, celui qui a repris le musée et qui a dessiné. Le clocher réalisé par le compagnon ici présent. Donc on a une petite plaque qui sera refaite en bronze, mais on attend bien sûr de parenté des noms de personnes avec, vous pouvez la lire, on la mettra en proximité. Les différentes entreprises, il faut les citer. Donc devenir évidemment notre architecte, la société Aculac et les maçons qui ont fabriqué la partie ossature du clocher, et puis avec la pierre de taille, bien sûr les compagnons du Tour de France qui sont ici présents, ils sont venus très nombreux. J'aimerais bien que Renan Papin et Renan Papin représente les charpentiers, et je ne vais pas oublier Monsieur Poujol. Oui, mais son prénom Alexis Poujol. Alexandre Jabiol, voilà, c'est Alexandre, qui sont donc les... Voilà, les...